Et en fait, vous savez que pour le moment, Busan est en compétition pour essayer d'accueillir ici donc l'Expo universelle en 2030. Et en fait, cette fois-ci, ils vont vraiment mettre comme thématique un petit peu les problèmes environnementaux, les problèmes climatiques. Actually, since I came from Russia, there is a huge problem now that bears, really? They wake up in the middle of winter and they go to cities and they try hunting. And actually, Jakarta as a city and Java as an island too, I heard like it's been sinking little by little. Yeah, that's pretty extreme, right? Et voilà, nous voici arrivés devant Busan Yeonhaechundang, donc qui est le centre du cinéma de Busan, où est organisé le festival international du film de Busan. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de gens qui sont venus pour assister à ce festival. Et Busan, c'est vraiment une ville qui sait accueillir les gens, qui est vraiment international. Je m'appelle Julien Quintard, ça fait 20 ans que j'habite en Corée. Je viens de Belgique et je suis le Belge le plus connu de Corée. Et il y a une raison particulière pour laquelle je suis venu dans cette ville de Busan. C'est parce que la ville de Busan est en compétition pour attirer l'exposition universelle en 2030 et ils voudraient bien faire du changement climatique et de l'environnement un des thèmes principaux de leur exposition. Et en fait, en Corée, j'utilise ma voix pour parler beaucoup des problèmes environnementaux, du changement climatique. Et donc, on est vraiment bien arrivé ici, je pense. On va pouvoir rencontrer plein de personnes, pouvoir parler un petit peu justement des problèmes de changement climatique. Si vous êtes prêts, on continue d'y aller. Gardien ? On va essayer de trouver des personnes à qui on peut parler plusieurs choses du climat peut-être et voir un petit peu. Hello sir, would you mind for a little interview? Sure. My name is Julian. My name is Tony. Tony, where are you from? I'm from New York City. I'm actually here because I'm doing a production of the musical Sister Act right next door. So are you an actor, performing actor? I am an actor, yeah. I could tell with the aura of you walking in, like this person had something special. I'm sure you sing well too, since you're musical. I mean, you know, I can hold a tune. So, yeah. Is your first time in Busan? My very first time in Asia, actually. In Asia? How do you feel about Busan? I love it. I'm New York. Almost like wintertime there already. Here it's nice. You know, I went to Hyundai Beach, got in the water, it was wonderful. Had some wonderful Korean barbecue. Really like the Korean barbecue. Soju. Very delicious. Everyone is nice, and the streets are clean. In New York City, like you don't see that. And it's very safe. I've never felt more safe, and everyone's very polite. You know, the subway is easy to get around on. I don't speak Korean or read it, but you can figure it out. You just look for the right number. You know, for this expo, they're trying to put like environment and like this climate issue as like one of the key like talking points for this big like world expo. And I wanted to ask, because I know that in New York this time there was some really big flooding. In my particular building, when there's a lot of heavy rain, the boiler's in the basement and it gets flooded, and then we have no hot water for a couple days, and the subway also stops running. You would think, as expensive as it is to live in New York and with all the money, that they would have rain wouldn't stop the subway from running, but it does. Infrastructure is not quite necessarily even as advanced as. Is it a topic you think you see coming more out and out, like this whole climate crisis? I mean, we only have one Earth, right? We only have one planet to live on. As much as they're trying to get us to go to Mars. Do you want to go to Mars or no, here? No, I'll stay here. Yeah, I mean, I love, you know, the trees, I want to see the birds. Yeah, I want to see you singing, you know, you can't see that anymore, right? Thank you so much. Say one last thing to camera. Welcome to Busan, Sister Act singing version. Okay. I'm not sure I can follow you though. I'm gonna say, welcome to Busan, it's fabulous, baby. Okay, here we go. Welcome to Busan, it's fabulous, baby. Vous êtes français? Alors, je suis française, mais je travaille en Suède. J'habite en Suède. Très international, une européenne. Et vous venez d'où en France? Du sud de la France, Montpellier. Montpellier, très belle ville. Quand j'étais plus jeune, un plaisir. Et vous, vous appelez comment? Quelle ville? Cannes. Cannes, ah oui. Cannes, oui. Voilà ici pour le festival. Exactement. Et vous avez, première fois? Non, ça fait quelques années que je viens. Et en fait, vous savez que pour le moment, Busan est en compétition pour essayer d'accueillir ici donc l'Expo universelle en 2030. Et en fait, cette fois-ci, ils vont vraiment mettre comme thématique un petit peu les problèmes environnementaux, les problèmes climatiques. Je pense que tout le monde est conscient de ça parce qu'on en parle beaucoup et il y a des choses dans la vie de tous les jours, je pense qu'on fait attention nous-mêmes, mais aussi il y a beaucoup de choses inconscientes qu'on fait qui montrent que c'est pas encore vraiment acquis. Enfin, par exemple, moi j'habite en Suède qui a une réputation d'être très avancée, mais je trouve qu'en fait il y a des tas de comportements où on voit que c'est pas encore trop ça quoi. L'utilisation du plastique permanente, le moindre concombre, la moindre courgette qui est entourée de plastique, je vois pas bien l'intérêt. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Là pour le coup, justement, la France a quand même fait une chouette démarche quand même en interdisant justement les plastiques. Oui, pour les grandes surfaces, ça c'est vraiment une bonne chose à faire. Donc on entend parler beaucoup aussi des problèmes par rapport aux cultures et on dit peut-être que le vin sera menacé. Non. Une France sans vin. Non. Est-ce que ce serait ça? Il y a plus de vendanges qui se font plus au nord du pays. La Belgique va peut-être devenir le prochain pays du vin. Hein. Attention la France. Non. On va bientôt boire du vin de Suède et de Belgique. Nous. Et aussi j'ai entendu parler que par rapport aux terrasses aussi maintenant, ils ont interdit les chauffettes dehors. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, c'est très bien, ouais. C'était pas utile. Hein. Maintenant ils fournissent une espèce de couverture, une espèce de couverture pour éviter d'avoir froid. Au lieu d'avoir le chauffage en permanence à l'extérieur, ça c'est bien aussi. Ça semble un petit
petit peu logique. Hein. Et en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez qui sont les actes les plus importants qu'on pourrait faire pour un petit peu faire changer les choses ou bien des choses que vous faites vous dans votre vie de tous les jours? Le recyclage. Et puis évidemment, regarder ce qu'on achète aussi autant que possible, d'où viennent les produits. Faites attention un petit peu à ça. Moi, je fais énormément attention. Ouais, puis les transports en commun aussi, essayer de. Ils sont bien en Corée, non, les transports en commun? Ah oui, très bien. Juste avec une carte, on peut tout faire. Je vois que vous êtes un master. Oui, je suis de la Timonie. Exactement, Timonie et carte. Dynamic Busan. Ouais, classique. C'est vraiment en parlant avec les gens qu'on se rend compte des fois de choses qu'on n'aurait pas pensé. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'interview parce que c'est vraiment pour le moment le sujet du moment. Et je pense que voilà, le plus on en parle, le mieux c'est. Et donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va être fait autour de ça. Pleasure to meet you. Bonjour, je suis Jocelyn, je suis Indonesian. My name is Rochelle, I'm from Indonesia. And I heard that Jakarta also has big change happening because maybe like Indonesia has to move the capital city. Is it a real thing happening? Yes, it is actually happening and it's going to be moved to an island called Borneo. But then we're going to change the name into Nusantara. And actually, Jakarta as a city and Java as an island too. I heard like it's been sinking little by little. Because of that, like climate change is making Indonesia change the capital. That's pretty extreme, right? I'm trying my best to reduce my meat consumption. Okay, yeah, I'm fully vegan. Oh yeah, very pleasure to meet you. Okay, well, I'm trying my best. And then I also like to use tote bags. Instead of using plastic. I think that's a very simple, easy way to make a small movement. And do you think your country is trying to do some things like climate change, any like policies that you've been? They've been trying to make a lot more access for the public transportation. A lot of people are starting to use it every day for chill taking. When they have to go commute. To work. That's what happens when you live too much in Korea. Sometimes also. Comment tu dis ça en français? You know, I just forgot my French. She just forgot in English. Yeah, no worries. Pleasure to meet you. I just met you in the street. You three friends? Yeah, we just came here together. I was a bit wondering, you know, around the world, like, is it a big issue that climate issues and environment in your country? Is it something that you felt yourself? Because I know like when we're in Belgium, we like experience really big droughts. I know Australia, big fires over and over. And actually, since I came from Russia and we have a huge part called Siberia, there is a huge problem now that bears, usually they go to sleep in winter, but now they don't. Really? They wake up in the middle of winter and they go to cities and they try hunting, and that's a big problem right now. Who thought that climate change affects bear? Really never thought about that. What about Australia? Definitely the reef. Warming waters and that kind of thing, the reef is slowly dying off, which is quite sad. It didn't used to be the talk of an issue, but during the recent years we have had like droughts, so people are starting to take it more seriously than we usually would. I think Korea is on the right path. Okay. I've noticed while I've been here, plastic straws have been phased out in a lot of fast food chains and things like that now. So they'll have either a lid or they have, you know, the policy way. C'est vraiment chouette, hein, je trouve, de discuter un petit peu et de voir effectivement les opinions comme ça de partout, et vraiment les gens sont très ouverts pour discuter. Excuse me sirs, would you be okay to do this interview for a YouTube channel? Pleasure to meet you, I'm Julian. Yeah, so actually I don't know if you know, but in 2030, Busan is trying to get the World Expo here. Yeah, we've seen the posters. You've seen the posters everywhere, right? Yeah. One of the big themes they want to have this time is about environment and also a bit the climate change. They want to talk a bit about one more. I mean, from a Swedish perspective, I remember there'd be much more snow in the winter when I was a kid. It's completely subjective, but that's my most spontaneous answer. Like, it seems like it's getting warmer. This summer, which was really bad in a lot of places in Europe, was not too bad in Sweden. I think we're very proactive, like setting a standard for how we can do it on a national level. I feel like everyone thinks about it. Like, how can they improve it for the bigger, better, so to say? You know, honestly, it's so hard to do, to compare, because I only live in Sweden, right? True. So, like, what am I supposed to compare with? Well, thank you so much for this interview. It was a pleasure. So, where do you live in Korea? Daejeon. Yeah, I'm just visiting him. Ah, okay, so the cousin came to visit. How do you feel about Busan? It's a very pretty city. I like the ocean, the coast here. The topology of the nature, the mountains, hills. It's amazing. I'm definitely coming back. Maybe he's gonna be living longer than you then. Yeah, they won't tell us apart. No, not at all. No. Who's who? Sorry. Yeah. Et nous voilà devant la plage de Haeundae, qui se situe pas très loin de là où se déroule le festival du film de Busan. Et comme vous pouvez voir juste autour de moi, c'est vraiment très urbain. Donc j'espère vraiment que vous intéresse et que vous allez pouvoir venir une fois visiter cet endroit. Voilà, moi j'ai vraiment passé une super journée. C'était chouette de partager, de parler avec plein de gens différents, d'apprendre aussi un petit peu ce qu'ils font dans ces pays, etc. Mais je vous avoue que c'était quand même une longue journée. Je suis quand même content aussi que ça se finisse. En coréen, on dirait Gosengetta. Ça veut dire j'ai bien travaillé. Ok, donc aujourd'hui j'ai vraiment Gosengetta. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter là? Ah, c'est la plateforme de Wave, ok, ça je connais. Donc c'est un petit peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est un endroit pour pouvoir partager les choses, les idées. Donc j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre dessus pour partager. Il y a déjà pas mal de Français qui sont dessus, comme vous pouvez voir. Pourquoi pas nous joindre? C'est assez simple, vous allez sur internet, c'est The Wave, donc THEWAVE.com.
climatechange.net et vous pouvez partager des idées, commenter sur des idées. Maintenant, moi j'ai fini, je vais profiter de cette incroyable ville qui est Busan. Je vais pas dire gaja, ça veut dire on y va, je vais dire kalkeo, ça veut dire j'y vais. Ok? Kalkeo! Merci beaucoup! Bye! Au revoir! À bientôt à Busan, j'espère!